Le camping sauvage, c'est interdit quasiment partout dans la nature. À la montagne, dans les forêts et même dans les parcs nationaux. Mais t'inquiète, ça veut pas dire que tu peux pas poser ta tente. Aujourd'hui, je t'explique la différence entre camping sauvage et bivouac. Pour t'aider à dormir dehors. Le camping sauvage, c'est un campement installé au même endroit pour plusieurs nuits et en dehors des emplacements de camping traditionnels. Généralement, il est pratiqué par des voyageurs qui sont véhiculés, genre camping-car, van aménagé, table de camping, gros réchaud, rôtisserie, piscine gonflable, la totale. Le bivouac, c'est un campement qui est sommaire et éphémère, que tu installes pour une seule nuit, du coucher du soleil jusqu'au lendemain matin. Il est plutôt pratiqué par les randonneurs, les cyclistes qui font du bikepacking. Et la bonne nouvelle, c'est que le bivouac, tu peux le faire dans plein d'endroits. Bon. Tranquille, il y a quand même quelques règles à respecter, mais je te les donnerai dans une prochaine vidéo. Salut les vieux campeurs!